Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 24. C'est une journée très encourageante et angoissante pour 70% des Français qui sont en faveur, selon les derniers sondages, des gilets jaunes ou en faveur des Français qui ont des revendications contre un gouvernement qui s'inscrit dans les directives européennes et qui ne tient absolument pas à tenir compte de la moindre revendication. Ce qui est une pure provocation, et qui dit pure provocation dit en même temps mise en place d'une stratégie de mépris pour provoquer l'ire ou la colère des citoyens. Actuellement, maintenant, à cette heure-ci, les citoyens sont sur les Champs-Élysées. De manière pacifique. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct des Champs-Élysées où se poursuit le mouvement des Gilets jaunes. La deuxième journée de grande mobilisation à Paris après le 17 novembre. Cette fois-ci, c'est le 24 novembre. Plusieurs groupes se sont rejoints sur les Champs-Élysées pour défiler sur la célèbre avenue. Vous voyez, là, désormais, c'est plus d'une centaine de Gilets jaunes qui sont regroupés et qui vont vers la place de l'École. Place de l'École où un important dispositif policier est actuellement regroupé pour éviter tout débordement et toute tentative de manifestation. Voilà, alors ça c'était Yahoo Actualité, donc c'est diffusé. On voit effectivement beaucoup de gilets jaunes et c'est formidable. Alors pourquoi j'ai pas mis mon gilet rouge orange là? Parce que j'ai un ami qui fait de la numérologie et qui m'a dit faites attention. L'orange, c'est la couleur de la franc-maçonnerie et c'est l'allégeance à la franc-maçonnerie parce que sa mesure, c'est 33, dites 33. Bon, alors je suis désolé, je l'ignorais. Je suis pas trop versé dans les arts de la franc-maçonnerie, ça m'intéresse assez peu d'ailleurs. C'est un univers que je connais un peu, mais que je ne fréquente pas et auquel je n'appartiens pas, contrairement à ce que des sottes ou des imbéciles veulent bien prétendre ou m'attribuer cette appartenance. Mais vous savez, si j'étais franc-maçon, il y a longtemps que je serais à la télévision et que j'aurais les honneurs de toutes les publicités et que je serais bien plus connu que je ne le suis. Or, je ne le suis pas, je n'ai jamais été approché et je ne les ai jamais approchés. Un jour, mon père m'a dit « Est-ce que tu veux rentrer dans la franc-maçonnerie ?» J'ai dit « Écoute, papa, je vais réfléchir. » Et j'ai dit non. J'ai dit non et c'est toujours non. Donc, pardonnez-moi, je n'ai pas mon gilet orange parce que je n'en ai pas d'autre. Mais je soutiens. Je soutiens, comme vous le savez, depuis un moment, les gilets jaunes. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Des témoignages de plusieurs personnes engagés dans ce mouvement, énervés, en colère, dont celui-ci... Voilà, Macron, ce que tu nous obliges à faire! Tu bloques notre pays, tu bloques les ambulances, tu bloques ton pays entier, tu fous la merde! Alors maintenant, tu vas la voir, la merde! Tous les ambulanciers de France, avec la France entière, on va bloquer le pays! Tu seras obligé de céder, Macron! Tôt ou tard, on va te sortir de ton Élysée! Tu nous as tout mis! Tu nous taxes, tu détruis notre pays. Tous les ambulanciers de France, je vous engage avec moi à prendre les péages, à fermer les routes, bloquer tout, bloquer les industries, bloquer les impôts, bloquer tout ce qui est du commerce. Arrêtez de consommer les Français et réveillez-vous ou sinon nous finirons tous à la morgue avec Macron. Il a vendu la France au Qatar, il nous subventionne tout. L'article 29 qui nous met encore en déficit avec ses 50 euros pour travailler quoi? À la chaîne. Il prend nos patients pour du des bêtes. Il veut qu'on les transporte pour 50 euros et 2 euros du
kilomètres, c'est du grand n'importe quoi. On commence à plus arriver à manger. Nos vieux n'ont plus rien. On devient des sous-merdes, les Français. On nous traite comme de la merde. Alors on va tout bloquer. La France entière doit se réveiller. Et Macron, tu vas être obligé de te sauver de ce pays. Tu pourras aller te planquer où tu veux, mais tu vas rendre notre pays. Vive la... Alors là, on a une grande colère, qui est justifiée, bien sûr. Il faut aussi savoir entendre cette colère. On ne peut pas non plus fermer la porte à toutes les voix du peuple. C'est impossible. Alors hier soir, j'ai été bombardé de messages et j'ai reçu celui-ci. Celui-ci. Je voulais vous le faire écouter parce qu'il faut que ça... Écoutez les gens, je ne sais pas pour vous, mais depuis que j'ai vu la vidéo... où Jacques Attali est en train de dire aux Français « Allez-y, il faut qu'on renverse le gouvernement, qu'on change les choses, qu'il faut créer un vrai, véritable raz-de-marée. » D'ailleurs, je vous ferai remarquer que sous cette vidéo-là, vous avez le lien où vous l'entendez parler. Vous avez quand même conscience que ce personnage, il est connecté aux véritables élites du monde, puisqu'il est là depuis au moins Mitterrand. Donc derrière Mitterrand, derrière Chirac, derrière Sarko, derrière Flamby, derrière... le Micron premier et tout ça. Et lui, il va même nous dire déjà que le prochain président serait une femme. D'accord? Donc, est-ce que vous ne trouvez pas ça troublant? Vous foncez tête baissée vers un traquenard, je vous dis. Ce sont des joueurs d'échecs, ils veulent une révolution, ils veulent que ça chauffe. Je vous aurais prévenu. Regardez le lien en dessous, vous savez, parmi vous, qui c'est qui fait confiance à Jacques Attali? Combien? Aucun. Ben ne faites pas ce qu'il vous demande de faire. Soyez logique. Mon Dieu, c'est pathétique, c'est tellement gros, on se croirait dans une parodie. Jacques Attali est en train de dire, en train d'encourager les gilets jaunes. Réfléchissez 5 secondes. Allez, bonne chance pour demain. Donc, ce témoignage a été fait par... Alan Duke. Alors Alan Duke, c'est un sonneur d'alerte français. Attendez, je coupe le son là parce que la pub, on n'en a pas besoin. Et bon, je vous ai quand même mis la vidéo de Jacques Attali parce qu'il faut quand même écouter les deux. Il faut savoir que ce dont parlait Jacques Attali date du 17 avril 2016. Et que malgré son discours extraordinairement presque citoyen, c'est quand même lui qui a favorisé l'élection d'Emmanuel Macron. C'est un produit de Jacques Attali, entre autres, et de cette oligarchie. Donc il y a pas mal de contradictions. Alan Diop pense ce qu'il veut. Il a sans doute raison pour certaines, pour une certaine partie de sa vérité à lui, mais si on ne laisse pas la chance à la rue de s'exprimer, on ne saura jamais qui dira la vérité. Parce que quand il dit « vous foncez dans un piège », c'est exactement ce qu'il veut. Là où il a tout à fait raison, Alan Duke, c'est quand il dit « ce sont des joueurs d'échecs ». Et c'est tout à fait vrai, c'est absolument vrai. C'est une partie d'échecs qui se déroule, mais il se trouve que cette partie d'échecs, les pions que sont en train d'avancer les gilets jaunes n'ont pas été prévus par les joueurs d'échecs. C'est une éventualité qu'ils n'avaient pas, à laquelle ils n'avaient pas pensé parce qu'ils ont mésestimé le mouvement. Donc, je comprends la colère et un peu le mépris d'Alan Duke. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui sur le sujet, mais je respecte son avis. Mais moi, je crois qu'il faut leur laisser leur chance aux gilets jaunes. Il faut laisser la chance au peuple de s'exprimer. C'est maintenant que tout se joue. Et si ça ne se joue pas aujourd'hui, ben ça ne se jouera jamais. Donc, quand il ajoutera « mon Dieu », c'est comme pour dire « ah, est-ce que vous êtes bête un petit peu ?» C'est ce que ça sous-entend. Et c'est ce que sous-entendent d'autres sonneurs d'alerte. Enfin, sonneurs d'alerte, c'est un mot odieux, sonneurs d'alerte. Ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire du tout. C'est des gens qui se prennent pour... j'ai sonné une alerte, on sonne rien du tout, on donne des points de vue, c'est tout. Alors vous répondez à ces points de vue, vous n'y répondez pas.
Dans le cas présent, je crois que... Moi, je suis du côté, évidemment, des Gilets jaunes, et je ne l'ai jamais caché. Moi, je suis un citoyen. Je suis un citoyen d'orientation post-communiste, puisque j'ai quand même été élevé par un communiste. Je ne peux pas le nier. Donc, je serai toujours du côté du peuple, quoi qu'il arrive. C'est comme ça que j'ai été élevé, et c'est dans mon sang, c'est... C'est comme ça, les Hongrois sont comme ça, les Français aussi. Les Français qui connaissent le sens même de la révolution le savent. Or, j'estime que ce n'est pas actuellement une révolution. Ce n'est pas ça une révolution. Révolution, ça veut dire quelque chose qui va renverser pour tourner. Là, c'est simplement une vocation à développer un ras-le-bol pour que cela cesse. C'est-à-dire pour qu'on ait un juste retour aux bonnes valeurs, aux vraies valeurs, et non plus aux valeurs des voyous, des gangsters et des profiteurs du système, qui, profiteurs du système, ne sont pas les bénéficiaires du RSA ou les pauvres. C'est pas eux les profiteurs du système, c'est les autres, c'est ceux qui sont au-dessus, ce sont ceux qui les accusent, ce sont ceux qui les jugent. C'est les politiques, la plupart du temps, qui sont en grande majorité corrompus. En grande majorité corrompue, c'est eux les profiteurs du système. C'est pas le peuple. Il faut arrêter de stigmatiser ce peuple qui est toujours en souffrance. Or, je vous lirai après un passage de Victor Hugo qui m'a été transmis par mon ami Pascal, et qui, Victor Hugo, c'est pour moi l'un des plus grands auteurs français du 19e siècle, quoi qu'il y en a eu d'autres, hein, attention, hein. Il y a Flaubert, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine. La France a été un puits de sciences littéraires absolument extraordinaire. Mais Victor Hugo, pour moi, c'est pas Dieu, mais c'est son fils spirituel, quelque part. Même si, à la fin de sa vie, bon, il y a toujours des problèmes. C'est peut-être le succès, c'est peut-être la sénilité, je ne sais pas. En tous les cas, c'est un homme extraordinaire, et qu'on le veuille ou non. Et ce qu'il dit sur la pauvreté et sur le peuple, parce que c'est un homme qui, comme moi, soutient le peuple, eh bien, c'est extraordinaire. Voilà. Alors, maintenant, on va écouter M. Attali. C'est pas que je veuille lui donner une tribune, mais quand on attaque quelqu'un, il faut quand même lui laisser un droit de réponse. Une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ses institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Nous espérons ce raz-de-marée. Alors, Jacques Attali présentait son livre dans lequel il parlait justement d'un programme qu'il fallait appliquer pour le peuple. Mais il a favorisé l'élection de Macron qui, lui, fait un programme anti-peuple. Donc, il y a une grande contradiction. Pourquoi on l'espère? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, les Français demandent un programme ambitieux et ils ne veulent pas des candidats en place. Ils veulent un programme. Donc, là, quand il dit programme ambitieux, ils veulent pas des candidats en place, je vous rappelle quand même que Emmanuel Macron n'avait aucun programme, justement. D'où la grande contradiction. On va aider quelqu'un qui n'a aucun programme. Donc il y a une dualité là, qui n'est pas cohérente, pour un homme qui lui est très cohérent. C'est un homme extrêmement intelligent, M. Attali. Programme ambitieux, et ce qui se passe en nuit debout, c'est la recherche d'un programme ambitieux, même pour l'instant ça ne s'appelle pas comme ça, et ils ne veulent pas des candidats, on voit bien tous les jours, tous les candidats sont... Donc il y a une demande, et en général, les Français font ce qu'ils disent. Donc, les Nuits debout ne voulaient pas de candidats, mais les Nuits debout, bah, on les a chassés à coups de grenades lacrymogènes et de matraques, toujours par le pouvoir, et ça c'était François Hollande quand même. Il ne faut pas l'oublier. Les socialistes sont toujours des extrémistes. Hitler était socialiste, je vous le rappelle. Ils se font passer pour des gens de gauche, mais lisez la vraie biographie de François Mitterrand. Il était dans le gouvernement Pétain, il était antisémite. C'était pas un saint, monsieur Mitterrand. C'était pas un saint du tout. Je veux pas salir la mémoire d'un mort. Je ne veux pas. Ils veulent pas des candidats, ils veulent un programme. Donc il y aura un programme et un candidat qui aura un programme. À l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022.
Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Tout ce qu'on fait, c'est pour montrer que, oui, vous Français, tous nous Français, nous voulons un programme présidentiel ambitieux pour 2017. Nous voulons un candidat capable de le porter. Concentrons-nous d'abord sur le programme. Disons aux politiques, nous voulons un programme ambitieux. Ensuite, on verra le candidat. Mais je suis d'accord avec vous pour dire que ce serait mieux si on pouvait changer les institutions. Ce serait mieux si on pouvait avoir un système qui laisse plus de la place à la création d'un consensus, au débat à l'intérieur. Consensus, débat, on le voit bien avec M. Macron, ni consensus, ni débat. On a tout gagné avec celui-là. C'est vraiment la représentation parfaite d'une nouvelle forme de nazisme, pas ségrégationniste, mais en tous les cas ségrégationniste contre la pauvreté, oui, ça c'est sûr. De la classe politique. Ce qui veut dire qu'il faut poser le problème de l'institution présidentielle. Donc, vous pouvez retrouver ce document sous sous la vidéo sur la page d'Alan Duke, qui l'a posté, donc c'est très intéressant. Je vous encourage à le lire à travers la vidéo, pour vous donner vous-même, vous-même votre opinion. Excusez-moi, je fais deux choses en même temps. Là, je voulais vous lire quelque chose qui... Victor Hugo, moi, il me tire les larmes, toujours. Parce qu'il est tellement prenant dans son discours, il est tellement humain. Il disait ceci, « Je ne suis pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde. La souffrance est une loi divine. Mais je suis de ceux qui croient qu'on peut détruire la misère. La misère est une maladie de la société comme la lèpre est une maladie de l'homme. Elle peut disparaître comme la lèpre, oui. » Eh bien oui. Et je suis à 100% d'accord avec ces mots qui sont tellement justes, tellement vrais, qui sont les mots d'un grand humaniste, d'un grand défenseur de la République. Or, actuellement, les seuls défenseurs de la République, ce sont les citoyens et les gilets jaunes. Il n'y a personne d'autre. Alors, s'il vous plaît, cessez de briser les espoirs. Cessez de dire « oui, mais il va se passer ci, oui ». Foutez-leur la paix. Laissez-les faire, laissez-les mener leur expérience. Mais si vous vous comportez comme ça avec vos enfants, si vous en avez, eh bien vos enfants comprendront jamais les erreurs. Vous le savez bien, les enfants n'écoutent pas. Ils ne comprennent que lorsqu'ils se font mal, lorsqu'ils se blessent ou lorsqu'il leur arrive un petit malheur. Ce sont tous ces petits malheurs quotidiens qui nous ont fabriqués, qui nous ont fait, qui ont fait ce que nous sommes. Laissez les gens commettre leurs fautes, leurs erreurs. Ensuite, vous viendrez juger. Mais arrêtez de briser leur élan. Mais oui, je vais mettre mon gilet jaune. Ah ben non, lui, il a dit c'est de la connerie, on est manipulé. Ben alors, je vais l'enlever. Eh ben voilà, le type va l'enlever ou la femme va l'enlever et il y aura un de moins dans la rue pour valoriser sa propre voix. Est-ce que c'est une victoire? Non. Ça, c'est une défaite. C'est une défaite fondamentale. Et c'est pour ça que ces gens sont des défaitistes. Alors, évidemment, ils connaissent tout sur les manipulations, sur ci, sur ça, mais on peut toujours échapper. Regardez, allez, un exemple dans le cinéma. James Bond contre Bon Baiser de Russie. On va tendre un piège au service secret anglais. Et l'un des stratèges, le Jacques Attali du film, dit « Oui, mais les Anglais... adore relever les défis. Ils savent que c'est un piège, mais ils vont quand même nous envoyer 007 parce qu'il va relever le défi. » Vous avez oublié ça. Vous avez oublié vos classiques, messieurs les censeurs, parce que vous êtes des censeurs quelque part. Vous voulez bloquer ces mouvements. Alors la question que je me pose, c'est travaillez-vous pour le peuple? Où travaillez-vous pour celui qui opprime le peuple? C'est une question que je pose. Moi, je ne fonctionne pas comme vous, c'est-à-dire que je veux laisser sa chance à celui qui a la parole
et que l'on a brisé. Il a le droit de s'exprimer. Aujourd'hui, il a pris ce droit. Alors, laissons-le s'exprimer. Et il sait ce qu'il risque. Hein. Ne prenez pas les gilets jaunes pour des imbéciles. Ils savent très bien ce qu'ils risquent. Ils savent très bien qu'ils vont se faire gazer. Ils savent très bien qu'ils vont se faire frapper. Ils le savent. Mais ils y vont avec, contrairement à nos grognards, avec la fleur au fusil. Ils n'ont pas de fusil, mais ils ont une fleur dans les mains. Et ça, c'est important. Ce que disait Victor Hugo également, il y a dans Paris, dans ces faubourgs, que le vent de l'émeute a soulevé, il y a telle maison où des familles entières, hommes, femmes, enfants, vivent pêle-mêle, n'ayant pour lit, c'est à Paris, messieurs, n'ayant pour lit, pour couverture, j'ai presque dit pour vêtements, que des chiffons en fermentation, infects, ramassés au coin des bornes. Ces jours-ci, un malheureux homme, un homme de lettres, car la misère n'épargne pas les professions libérales que les professions manuelles, un homme de lettres est mort de faim, à la lettre. Et il a été constaté, après sa mort, qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore? Une voix, non. Plusieurs voix, parlez. Au moment où le choléra sévissait le plus violemment à Paris, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes des charniers pestiférés de Montfaucon. Voilà, alors relisez Victor Hugo qui a été retiré par les socialistes de l'école publique. On a retiré Victor Hugo parce qu'il ne faut surtout pas donner ce type de lecture aux enfants. Ça pourrait les rendre intelligents, ça pourrait les éveiller. Ça, on doit le donner à l'ancienne ministre... Belkacem, Madame Belkacem. Donc on leur doit tout ça, ces gens-là sont des gens formidables. Ils ont rien à envier aux censeurs de 39-45. Il faut se replonger dans l'histoire également. Il y en a qui vous parlent de manipulation, je préfère moi vous parler d'histoire. Et de relire l'histoire, de reprendre connaissance avec cette histoire. Donc, aujourd'hui va être décisif, c'est une journée décisive, à la fois pour les gilets jaunes et à la fois pour ce gouvernement qui prend la température et qui, quelque part, n'attend qu'une chose, c'est sévir. Mais ça, c'est le pouvoir. Le pouvoir est toujours dans l'asservissement et dans la contrainte, dans la punition. Relisez Michel Foucault... Surveiller et punir, j'en ai parlé dans un de mes livres également. Regardez ces sociétés du punissement, ces sociétés de la réprime, quelque part. C'est-à-dire que on t'a pas donné la parole, tu vas fermer ta gueule, et puis sinon tu t'en prends une. Eh bien non, aujourd'hui ça suffit, ils n'en peuvent plus les gens. Ils n'en peuvent plus. Alors évidemment, c'est pas M. Macron qui va se plaindre... De devoir avoir sur sa fiche d'impôt 5 euros en moins. Non, c'est pas lui. Parce que lui, il ne paye rien. Il a tous les privilèges, actuellement. Ou alors, il avait des commissions formidables. D'ailleurs, où sont passées ces commissions? Il faut se poser la question. Ceux qui jugent les pauvres et qui font de la fraude, c'est quand même inouï. Je vous l'ai déjà dit, un journal allemand avait épinglé Macron au lendemain de son élection... concernant des capitaux qu'il avait dans les Caraïbes. Normalement, il y a une faute grave qui aurait été commise, puisqu'il a investi 500 000 euros dans sa maison du Touquet qu'il n'a pas déclaré. C'est quand même un ministre du budget. On ne peut pas se dire qu'il ait commis une erreur. Donc ces gens qui sont toujours là à nous juger, eh bien, nous répriment en permanence et ne supportent pas que nous soyons là pour leur montrer les erreurs qu'ils commettent. Eh oui, c'est très désagréable d'être montré du doigt. Alors lui, il ne montre pas du doigt, il montre de la matraque en disant « Allez-y, frappez, gazez, faites ce que vous voulez. » Je pense qu'il serait temps maintenant que la police et la gendarmerie se mettent du côté du peuple et fassent ce qu'a dit M. Jacques Attali, parce qu'il l'a dit, qu'il faut qu'il y ait une autre façon de gouverner. Oui, il faut qu'il y ait une nouvelle façon de gouverner. C'est ce qui s'est passé en 1789.
La seule erreur des révolutionnaires en 89, c'est d'avoir coupé la tête à Louis XVI, qui, lui, était disposé à faire une monarchie constitutionnelle. Il était prêt à céder son pouvoir à ces bourgeois qui avaient fait la révolution pour gouverner le pays, puisque Louis XVI n'était pas un gouvernant, c'était un homme qui avait des problèmes de santé, et surtout au niveau de la prostate. Donc il a même été opéré à vif, il a subi des choses épouvantables, hein. Il n'était pas endormi, hein, quand on l'a opéré, c'était affreux, et pour des résultats nuls. D'ailleurs, la seule chose qui l'intéressait, Louis XVI, c'était les serrures et les horloges. C'était un serrurier, c'était un manuel, il adorait les mécanismes. Le reste, ça ne l'intéressait pas. Donc on a commis une erreur grave en coupant la tête, en le passant à la guillotine. C'était tout comme ils ont passé Lavoisier, le grand savant, grand chimiste, physicien de l'époque, Lavoisier, homme de savoir, de connaissance, ils l'ont passé à la guillotine. Ils ont passé plein de gens. Ça, c'est les bourgeois qui ont fait ça, c'est les francs-maçons. Il faut le savoir. C'est pas le peuple. Le peuple est malléable. Il a toujours été contrôlable. Mais là, aujourd'hui, il n'est pas contrôlable. Et ça a l'air de déplaire à tout le monde. Ça déplaît au pouvoir et ça déplaire à ceux qui critiquent le peuple. Ben oui, parce que ça ne correspond pas à leur système de pensée. Alors, s'il vous plaît, laissez tranquille. Laissez tomber les petits papiers, comme disait Régine. Laissez tranquille ces gilets jaunes. Encouragez-les de vos voeux. Parce que vous êtes toujours là à râler. Et puis, on verra. On verra. Ça peut pas se passer mal. Pourquoi? Du moins, je l'espère. Vraiment, ça, c'est de tout cœur. Parce qu'ils sont trop nombreux. Si ça se passe mal, ça va appeler de nouvelles réactions. À moins que, effectivement, le gouvernement français veuille une véritable révolution pour mater ce peuple, pour le réduire en bouillie, et ensuite le pucer pour le contrôler. Or, si nous voulons une France moderne, une France en avance sur le monde, c'est justement le contraire qu'il faut faire. Mais on n'a aucun gouvernant qui veut cela. Ce qu'il faut, ce qu'il faudrait, c'est développer la culture, développer l'éducation, développer l'alphabétisme, parce que nous avons beaucoup d'enfants, qu'ils soient français ou étrangers, hein, qui sont quasiment analphabètes. Quand j'étais à l'armée, il y avait des analphabètes. Hein. C'était il y a 30 ans. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut développer. Et ça permettra à un pays d'évoluer. Regardez la Corée, par exemple. Il est absolument illogique que la Corée du Sud, bien sûr, que la Corée soit aujourd'hui l'une des plus grandes puissances du monde, puisqu'elle n'a rien à vendre. Eh bien, il faut savoir que la Corée a un ministère de l'intelligence. Ah, c'est pas Macron qui aurait un ministère de l'intelligence. Quand on voit ses ministres et ses députés, c'est difficile, hein. Ça rame, hein. Ça rame chez tous ces gens-là, qui ont trop d'ego, qui sont vaniteux, qui sont prétentieux, qui ont la casquinite aiguë, hein. Ils vont tabasser les collègues à coups de casque. Donc, pourquoi la Corée s'en sort? Parce que grâce à son ministère de l'intelligence, ils ont trouvé les moyens de développer une économie fabuleuse. Regardez Séoul. Séoul s'est modernisé en quelques années à peine. Avant, Séoul, c'était des marécages. Aujourd'hui, regardez Séoul, c'est une ville moderne. Moderne. Et pourquoi ça tient? Mais parce qu'il y a une rigueur extraordinaire en Corée. Ben, pourquoi je vous en parle? Mais moi, j'y suis déjà allé en Corée. J'ai voulu voir ce que c'était que la Corée. Alors, ce sont des gens très courtois, très aimables, qui travaillent très difficilement, très durement, très respectueux. À tel point que quand y a un Premier ministre qui triche, vous avez tous les Coréens dans la rue, et le Premier ministre qui a triché, qui a osé tricher, il est dégagé. Chez nous, on a des ministres qui trichent,
on a des ministres qui mentent, on a la lie de la terre au gouvernement. Et ça fait des années que ça dure, c'est pas que chez Macron. C'était pareil chez Hollande, c'était pareil chez Sarkozy, c'était pareil partout. Aucun de ces ministres ne sont véritablement issus du peuple. Ou quand ils sont issus du peuple, ils sont pas très à la hauteur. Pourtant, il y a des cerveaux en France, il y en a même beaucoup, à tel point qu'ils quittent le pays. Et si on est dans ce marasme épouvantable, c'est qu'on a détruit. On a détruit en France tout le talent, toute l'intelligence qu'on a muselé. Et c'est ça, les gilets jaunes. C'est, il y en a marre de vos saloperies. On n'en peut plus. On n'en peut plus, pourquoi ? Regardez ce qu'a dit Victor Hugo. Un homme de lettres qui meurt parce qu'il n'a pas mangé depuis 6 jours. Mais c'est pareil chez nous. C'est pareil chez nous. Bon, je ne veux pas dire que moi je meurs de faim. C'est pas vrai. C'est pas le cas. Mais je vends mes livres. Mais je ne suis pas riche non plus. C'est pas parce que vous me voyez avec un veston qui m'a coûté 15 euros que je suis riche pour autant. Vous savez, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on se débrouille. Et on trouve toujours moins cher qu'ailleurs. Je n'ai jamais payé le prix de la valeur d'un objet. Je me débrouille pour trouver toujours moins cher. C'est pas le cas des riches qui s'en foutent. Ils vont s'acheter ci, ils vont s'acheter ça, et ça, ils s'en foutent. En revanche, les pauvres, ils s'en foutent pas. Ils ont une paire de baskets pour passer tout l'hiver. C'est pas admissible. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, d'appeler comme ça à la panique les gilets jaunes. Eh, vous allez vous faire massacrer! Mais ils le savent, arrêtez de les prendre pour des imbéciles! C'est quand même eux qui sont sur les ronds-points toute la nuit. Ils savent très bien ce qu'ils risquent. Ils le font parce qu'ils ont des convictions. Arrêtez de briser les convictions, c'est tout ce que j'ai à vous demander. Soyez plutôt de leur côté ou taisez-vous. Toujours, il faut toujours qu'il y en ait qui ramènent, qui la ramènent pour dire ça sert à rien. Soyons constructifs. Allons vers le positif. C'est ce qu'essaye de faire les gilets jaunes. Voilà. Je vous remercie. Je ne vous parlerai pas de médecine parce qu'aujourd'hui, ben c'est une journée trop importante, hein, le 24 actuellement. Donc c'est beaucoup trop important pour détourner le sujet. Nous allons voir ce qui va se passer dans la journée. Et nous verrons ce soir. Nous ferons le bilan demain matin. Et puis on verra. On verra. Alors, gilets jaunes, je vous soutiens de tout mon cœur. Restez pacifiques. Ne répondez pas à la violence. Soyez stratégiques, plus malins que ceux d'en face, parce que vous avez un avantage sur eux et sur cette satanée oligarchie. Ils ne se doutaient pas un seul instant que vous seriez aussi nombreux et que nous serions autant auprès de vous du point de vue du soutien. Je voulais rajouter, j'ai oublié de le dire tout à l'heure quand j'ai commencé à parler de la Corée, la France a besoin d'une force vive. Cette force vive, eh ben, c'est le capital de l'artisanat et la force ouvrière. La France a besoin de retrouver ses industries. La France a besoin de taxer, mais pas les Français. Elle a besoin de taxer tous ces produits d'importation qui nous viennent de Chine et qui sont fabriqués par des industriels français là-bas. Et comme ils sont bêtes, ces industriels français, pardonnez-moi, ben ils se font copier par les Chinois qui après, eux, nous exportent les mêmes produits deux fois moins chers, peut-être de moindre qualité, mais quand les gens sont pauvres, ils ne se posent pas la question de la qualité. Tant qu'ils peuvent obtenir quelque chose. Alors, redonnons à notre pays la force qui avait fait de lui une grande nation, parce que je vous signale que les colonies, c'est terminé, hein, c'est fini, que bientôt l'Afrique, eh ben, elle ne voudra plus donner ses 500 milliards de dollars à la France par an. Comment fera la France ? Sans ministère de l'intelligence ? Et avec des bras cassés comme on a au gouvernement. Je vous pose la question.
Comment fera la France? Elle ne le fera pas. Le chômage va s'accentuer, c'est inévitable, puisqu'on fabrique moins cher ailleurs. Les allocations, l'État étant ruiné, il ne pourra plus les payer. D'ailleurs, c'est ce que fait Macron, actuellement. Alors, information contradictoire concernant la prime de Noël et la CMU. Il semblerait que ce soit soit des informations qui sont diluées et envoyées à travers l'Internet, soit par l'extrême droite, soit par l'extrême gauche. C'est juste pour exciter les gens. Mais pour l'instant, moi j'ai lu des documents officiels, il n'a pas été question de suppression de la prime de Noël encore. Donc ne prenez pas ça comme argument et ne vous fiez pas à tout ce qui est publié sur Facebook et sur Internet juste pour vous exciter et exciter votre colère. Ça, ce sont des gens qui se servent de vous, qui vous manipulent. Là, il y a de la manipulation et je ne comprends pas pourquoi ces grands sachants de la manipulation ne parlent pas de ça. C'est des petites choses comme ça qui font que les gens s'énervent. Ben oui. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une des meilleures journées que ce soit. J'ai des amis actuellement à Paris, je pense à eux, je pense à mon Claude, à mon frangin Claude, qui est à Paris, je pense à mon ami Dominique, qui est à Paris, je pense à plein de gens qui sont là-bas, et qui sont montés pour l'occasion, donc j'espère que les forces de l'ordre ne répondront pas par la violence face à la bienveillance de ces gens-là. Voilà, je vous remercie de votre écoute attentive et surtout de votre raisonnement et de ce que vous pourrez tirer de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt et soutenez les Gilets jaunes. C'est important pour nous parce que ce qu'ils font, c'est fort et c'est pour nous qu'ils le font aussi. Salut à tous et à toutes.